Bonjour à tout le monde. Nous venons d'acheter du matériel et notamment des couvertures pour pratiquer le yoga Iyengar. Je profite que je les range parce que je vais devoir en plier pour vous expliquer le pliage de ces couvertures. Donc elles ont exactement la même forme et la même dimension que les couvertures grises, qui sont beaucoup plus épaisses. Celles-ci sont plus rigides et sont conçues pour soutenir le corps pendant une pratique, pour mettre sous les épaules, pour mettre sous les fesses, pas forcément pour se couvrir si on a froid, pour donner un extra support au corps ou pour se couvrir contre le froid. Les couvertures grises sont plus appropriées. Et vous pouvez les utiliser à la condition que vous les repliez exactement de la façon dont je viens de vous montrer. Donc, ces couvertures sont rectangulaires et elles se plient d'une façon standardisée. À chaque fois, on les replie en deux sur les côtés, les longs côtés, les côtés les plus longs. Donc, on place bord à bord, en essayant d'éviter au maximum de faire des plis pour ne pas se blesser ou ne pas faire mal au corps quand on sera appuyé dessus. Premier pliage, deuxième pliage bord à bord. On fait bien coïncider tous les bords de la couverture. Voilà. Partant de là, hop là, à nouveau bord à bord dans le côté long que vous voyez. Comme ça. Et là, on est sur un pliage standard. Elles peuvent être utilisées une fois pliées à cette grandeur-là. Pour les ranger, on va les replier à nouveau en deux par les côtés longs et éventuellement, selon où je vais les ranger, on les repliera comme les couvertures grises une dernière fois en deux, pour permettre en fait de les stocker plus facilement dans la salle. Voilà. N'hésitez pas à regarder la vidéo, essayez par vous-même de la plier. C'est la plus facile façon de pouvoir pratiquer ensuite avec nos couvertures. Merci beaucoup et puis à bientôt.